J'en ai assez de m'entraîner. Je m'en vais. Eh oh, attends, on est en formation. Et c'est l'heure de déjeuner. Elle est qu'une chèvre paresseuse. Tu sais quoi? Je suis fatiguée aussi. Je vais aller me changer. Quoi, t'es en train de devenir comme elle? Quoi qu'il en soit, les amis, je vous jure, ce bonbon est tellement acidulé. Camille, j'ai l'habitude d'en manger un paquet par jour. Alors mon corps est habitué à cette acidité. J'ai pas peur du tout. Hulk, arrête un peu de te la péter. J'en ai marre. Sympa, je ne me vante pas. J'avais l'habitude de manger ces bonbons par paquet. Et après, les boîtes, elles servent de tirelire pour sauver de l'argent. Mais où vous allez? Je dis la vérité. J'en mangeais vraiment des paquets entiers. Crotte! J'ai marché sur quelque chose. Angie, c'est un chewing-gum! Oui, je vois ça, In. Encore une fois, quelqu'un a jeté leurs déchets sur le campus. Je suis sûre que ce sont ces perdants, parce qu'ils mâchent du chewing-gum tout le temps. On devrait peut-être aller le dire à l'administratrice pour qu'elle les punisse. Salut les filles, ça va? T'es qui toi au juste? Angie, je la reconnais pas. Je suis nouvelle sur le campus, je suis ici pour étudier. Je vois, moi c'est Angie. Et moi je suis In, je viens de la Corée. Et moi c'est Barbara, enchantée. Ravie de te rencontrer Barbara, bienvenue au campus. Les filles, vous savez, vous êtes vraiment trop belles. On le sait déjà, on est les plus belles du campus. Ouais, je le sais déjà en fait. Comment pourrais-tu savoir ça? Tu es nouvelle ici. Mais je le vois bien, vous êtes si belles et vous sentez délicieusement bon. Angie... T'as fait bizarre cette Barbara. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. D'accord, Ian, on y va. Ouais, Angie. Bye, Barbara. Au revoir, les jolies filles. Bah, si vous ne me croyez pas, je vous propose un défi, alors. Tout le monde devra manger un bonbon, d'accord? Celui qui fera un visage farfelu perdra le défi. Ok. À trois, on commence. Et pas le droit de mordre le bonbon. Si tu mords le bonbon, t'es éliminé. 1, 2, 3. J'en peux plus. Donnez-moi de l'eau, vite, 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 vite. Oups, je l'ai avalé, je crois. Oh, ça y est, j'en peux plus. Ah, perdant. J'ai gagné. Sympa, tu me traitais de frimeur. Maintenant, c'est toi le frimeur. Désolé, frère. Taisez-vous, j'appelle la sécurité. Salut, Mandy. Ça roule ici? Choc, t'es fou! Quoi, Mandy? Qu'est-ce qui va pas encore? C'est quoi cette mascarade? T'es sur le campus, pas à Hawaï! Eh ben, Monsieur Max m'a donné des vacances. C'est impossible! Tu mens! Ah! Si tu me crois pas, demande à Max. Tu sais ce qu'il m'a dit? Choc, tu es le meilleur garde qui soit. T'as besoin de te reposer. Tu mérites des vacances. Un chewing-gum? Je ne mâche pas de chewing-gum. C'est interdit sur le campus. Jette-moi ça. Pas question. Je me fiche de tes règles. Je suis pas au travail aujourd'hui. Je comprends pas. Pourquoi Chuck porte-t-il des vêtements hawaïens sur le campus? Le shérif est probablement en vacances. Il n'est même pas un shérif. Et vous? Vous avez passé l'examen? Non. Alors allez étudier. Ok. Monsieur Max, moi je n'ai pas besoin d'étudier pour l'examen parce que j'ai parfaitement réussi. Vous vous rappelez? Le voilà qui arrive. Choc! Mais où est ton uniforme? Max, mais je suis en vacances. Vous étiez d'accord?
Chuck, t'es fou! J'ai bien dit que nous n'allions pas à la maison de campagne et que personne serait en vacances. Porte ton uniforme tout de suite. Non. Ou je te renvoie. D'accord, je vais me changer. Bravo, Mandy. T'as ruiné mes vacances. Mandy, fais-moi une liste de tous les retardataires tout de suite. Bien sûr, Monsieur Max. Cool, je m'appelle Barbara maintenant. Oh ouais. Les gars, c'est qui ça? C'est une fille, on dirait. Une nouvelle, c'est clair, y a personne d'aussi dodu ici. Hé, la nouvelle, t'aurais pas confondu les cabines d'essayage par hasard? C'est le vestiaire des garçons ici. En passant, le vestiaire des filles est au 3e étage. Oh, d'accord les gars, merci pour l'info. Pas si vite, toi. Dis, on t'aurait pas déjà vu quelque part auparavant? Non, vous ne m'avez jamais vu, je suis nouvelle au campus. Écoute la nouvelle, moi c'est Tog, et c'est comme ça qu'on tient une batte. Donc de quoi tu parles? Je me présente à la nouvelle? Ouais. Je te présente mes potes Benz et Dance. Tog, t'es idiot. Arrête de nous confondre tout le temps. Moi c'est Dance, lui c'est Benz. Désolé les gars. Pauvre idiot. Quoi qu'il en soit, ça c'est Dance, ça c'est Benz. T'as compris? Oui, oui, j'ai compris. Ça c'est Benz, ça c'est Dance, et toi t'es Dog et tu tiens toujours la batte de baseball. Je dois y aller. La nouvelle fille est trop bizarre, les gars. Et j'ai une nouvelle idée pour me présenter, d'accord? Moi, c'est Dog, et je swing comme ça. Ha! Dog, assez, rends-moi la batte et arrête de tortiller. Sérieusement, Dog, calme-toi. Mais pourquoi? Moi, je suis un joueur de baseball. J'aime jouer. Viens ici, Bobble. Non, pas touche, pas touche. Oh, je t'en prie. Tu as ce que je t'ai demandé, dis. Non, pas encore. Alors explique-moi ce que tu fais à marcher sur le campus à ne rien faire, hein? Parce que je viens d'arriver, laisse-moi le temps et je le trouverai. Ne m'énerve pas, Bobble, ne m'énerve pas. Si tu penses que je te toucherai pas parce que tu portes des vêtements de fille, tu te trompes. Compris? Hein? Ouais, c'est bon, j'ai compris, lâche-moi. Puzzle, n'as-tu pas honte? Ce n'est pas bien de faire du mal à une fille. Quoi, pas assez de force pour battre un gars alors tu t'en prends à une fille? Trouve-le. Tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez? On est occupés, vous voyez pas? Sortez votre nez de mes affaires, bande de tarés. Je crois que je vais aller rendre visite à Monsieur Max pour lui dire que t'es en train d'harceler une fille. Nul. Je te pensais mieux que ça, Puzzle. Mais tu sais quoi? Tu ne l'es pas. Étouffe-toi, tête de nœud, avant que je te gifle en pleine figure. Tu mets un doigt sur lui et tu sais ce qui va se passer. Tu devras passer la serpillière à chaque étage du campus. Bientôt, le professeur Max m'autorisera à rejoindre mon équipe à nouveau. Et je vais rendre votre vie au campus en enfer. C'est nous ton équipe maintenant, mec. Tu pourras pas te débarrasser de nous. Oh, génial, le vestiaire des filles. Personne ne pourra me virer d'ici. Laura, si tu continues à te comporter de la sorte, dis au revoir à notre équipe. Tu n'as pas le droit de m'expulser. Parce que tu n'es pas la capitaine de l'équipe. Ouais, en fait, Laura a raison. Tu ne peux pas l'expulser car tu n'es pas capitaine. On s'en fiche que je sois capitaine ou non. L'entraînement est le même pour tout le monde. T'es qui, toi? Oh, salut, je suis nouvelle ici. Je m'appelle Barbara. Pas une top modèle, celle-là. Hé, hey, la nouvelle. Est-ce que tu saurais jouer au tennis par hasard? Non, je suis pas joueuse de tennis. Pas besoin d'un génie pour le savoir. Avec une silhouette pareille, c'est clair, non? Alors, vous êtes ici pour vous changer? Qu'est-ce que ça te fait, Blondie? Je faisais que demander. Nous sommes dans les vestiaires, après tout. C'est pas inhabituel. Ça ne te regarde pas. Maintenant, arrête de nous parler. Nom d'un chien, j'ai de la chance, moi. Les filles vont changer devant mes yeux. Qu'est-ce que tu regardes, la nouvelle? Tu veux ma photo, hein? Ah non, j'ai quelque chose dans l'œil. Les filles, vous êtes tellement en silhouette. On le sait. Ouais, nous faisons beaucoup de sport. C'est pour ça qu'on a de jolies silhouettes, tu vois? Si tu te mettais également au sport, peut-être qu'après quelques mois, tu n'aurais pas l'air d'un sac de patates. Vous êtes si drôle, vous. Tu aurais besoin d'un entraînement de tennis individuel. Contacte-nous, nous t'aiderons. Oh,
Oh, la nouvelle est déjà là, on dirait. Comment ça se passe? Alors, tu as rencontré tout le monde du campus? Oui, les joueuses de tennis m'ont offert des cours gratuits. Quoi? Ouais, trop bien. Angie, est-ce que t'auras un petit ami? Pourquoi tu me demandes ça? Qu'est-ce que ça te fait si j'ai un petit ami, oui ou non? Quelle question bizarre. Ah! Oh, regardez qui vient! Qu'est-ce que tu fais ici? Allez, viens! Puzzle! Mais qu'est-ce qu'il fait dans le vestiaire des filles, au juste? Voyeur! Hors de mon chemin, vous! Les amis, vous avez entendu? Nous avons une nouvelle fille sur le campus! Elle s'appelle Barbara! Encore un nouvel étudiant sur le campus? Camille, et si elle était mignonne? Ça serait cool! Al, qu'est-ce que tu dis? Il sort avec Milana! Ouais, je sais, mais peu importe! Tu devrais sortir avec deux en même temps! Barbara et Milana! Sympa, t'es bien trop sérieux, mec! C'est pas drôle, Hulk! Oh, c'est bon, je plaisantais! Les amis, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne! Appuyez la cloche et attendez nos nouvelles vidéos! Au revoir tout le monde!